Là, ça fait. C'était du bien de finir comme ça. Après le coup de fou de gueule, entre guillemets, la semaine dernière. Bah oui. C'était mérité. Hein. Et. Quoi, le coup de gueule ou la victoire? Le coup de gueule. Et. C'est bien d'avoir rectifié les choses sur une dernière journée de championnat comme ça, où on sait toujours, voilà, c'est toujours particulier parce qu'il n'y a plus rien à jouer, et de se mobiliser, voilà. Je trouve que dans l'ensemble, tout le monde s'est mobilisé. On a même vu que le banc a fait un bien pas possible quand tout le monde est rentré. Donc, 12e, dans le finaliste de Coupe de France, on perd contre le vainqueur de cette Coupe. Là, c'est... En conclusion, on va dire que c'est une saison quand même relativement réussie aujourd'hui. Et pourtant, il y a eu tellement de faits. Et pourtant. De mots, de bases. Et pourtant, oui, c'est. Ah, on a déjà parlé, ça laisse un peu de regrets quelque part. De... Sans les regrets, ça ne sert pas, ça sert pas à grand chose, malheureusement. Que de discuter du passé. Mais. Alors, on peut toujours imaginer si des scénarios de match auraient tourné pour nous, parce que le nombre de fois on s'est fait égaliser en fin de match, de toute façon on ne le saura jamais. Voilà, moi je m'arrête sur ce match-là. On a su faire un peu le dos rond en première mi-temps, au moment où Nîmes a poussé un petit peu, même si Thomas a fait des arrêts incroyables, ils nous ont mis en danger sur les situations arrêtées. Là, en première mi-temps, au deuxième poteau, ils peuvent ouvrir la marque. Nous, on a quand même des situations en première mi-temps, on ne joue pas très très bien dans le domaine offensif. Je pense qu'on aurait pu, on manquait un peu de justesse. Il y avait moyen de jouer dans leur dos. Et puis en deuxième mi-temps, je trouve qu'il y a eu une maîtrise. Bon, on sent bien que dans des types de matchs comme ça, quand l'équipe marque le premier, voilà, ça arrange beaucoup de choses. Alors, c'est des banalités que je dis, mais malheureusement, c'est comme ça. Planning à partir de demain, ce prochain jour. Ouais, ils sont en vacances ce soir. Demain, la reprise est prévue le 20 juin. Donc on retrouvera tout le monde ou un effectif le 20 juin. Les entretiens sont terminés. Tout est terminé. Voilà, les décisions sont prises. On peut en parler ou c'est trop tôt? Ah, si. Jean, vous savez très bien que je vais rien dire. C'est bien essayé. Je vous dois te poser la question. Ouais. Bon, monsieur, elle va craindre du tout. C'est bon. Décevant, mais putain, tu l'as. Non. C'est un peu une de poste. C'est bon, l'expérience, ça fait ça. Non, mais il faut remercier aussi encore une fois le public Bastia qui vienne. C'est quand même incroyable, ils sont encore 200, je ne sais pas combien d'entre points là-bas, pour un dernier match de championnat où il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien, et qui sont là à nous soutenir. Là, il faut les remercier aussi, ils font partie intégrante de ce club. C'est hyper important. Et ça vous a paru ça, mes amis, effectivement, dans un type de nom dessus. Je trouve qu'on a retrouvé un peu plus de fraîcheur sur la deuxième mi-temps. Alors, fraîcheur physique, c'est toujours lié à la fraîcheur mentale. Ici, on a fait le choix de faire trois rentrants. Ça nous a impulsé, quelque chose. Hein. On a senti plus vite, il y avait un peu plus de jeu dans la profondeur, il y avait un petit peu plus de course qui était proposée. Ça a obligé Nîmes à reculer aussi sur la façon de défendre. Donc, entrer en moins intéressant, c'est bien de leur part. Un mot sur Zolotov, même si sur un match. Il a été en moins. C'est pas facile pour lui, hein, le problème de la langue. Ça fait un mois qu'il est avec nous. Il avait joué avec un match avec la réserve en Coupe de Corse. Bon, il a tenu une heure, on voit qu'il est quand même en manque de rythme. Sur les espaces réduits, il peut intervenir sur l'aspect défensif, après sur des courses un petit peu plus longues, on sent que c'est un petit peu plus compliqué, mais c'était dur pour lui. Après, ça nous a permis de le voir en compétition. On fera le point de bas. Et le bilan.